t'ai vu te reposer sur tes lauriers du temps passé. Mais un beau jour tu as changé de pays noir que tu étais. Il te fallait évoluer, trouver une autre identité. On ne t'appelle plus pays noir, terre de feu et de charbon. Tu te crois devenu un roi, toi le pays de... Charleroi était devenu, même pour des journaux américains, Chicago. Et à l'époque, on demandait déjà aux journalistes présents dans la place de bien vouloir un peu modérer leur discours, ou en tout cas, être aussi les relais de ce qui se faisait de positif, puisque sans arrêt, on tapait sur le clou de Charleroi, pays sinistré, pays de bandits. Pays de Charleroi, c'est toi que je préfère. Un film comme ceci, le premier en Carolo Color, je pense que c'est une belle illustration de cette volonté finalement de toute une ville et au-delà de toute une région de montrer que ben non, c'est pas le pays noir. Charleroi aime Charleroi et les Carolo aiment Charleroi. Donc je crois que c'est tout à fait normal que des gens qui aient la même envie que les producteurs, que les réalisateurs de nous montrer une autre image de Charleroi aient envie d'investir dans Charleroi, peut-être pour récupérer leur part, mais en tout cas pour montrer une autre image, une autre facette de Charleroi. Voilà, tout va bien. Coupé. C'est un projet original à tous les niveaux, original... Dans son scénario, original dans son mode de financement, surtout puisque c'est, je pense, une première, en tout cas à ce niveau-là, d'avoir un film financé par les citoyens, les entreprises, etc., et qui mobilise finalement toute une région. Original à bien des égards, de par le fait que certains membres de la production se payent en action du film. Ça veut donc bien dire qu'ils y croient, qu'ils sont les premiers à y croire, et ils montrent l'exemple. Dans les quelques prises que j'ai déjà vues, je crois que ça donne une autre image de celle de Charleroi, Charleroi noir, Charleroi usine, Charleroi chômage. Bon, là, on a clairement d'autres choses, tant au niveau du contenu que de la forme aussi, avec des images, des paysages qui donnent envie aussi, à mon avis, aux téléspectateurs de pouvoir venir visiter la région. Belle histoire dans un village. Moi, j'aime la Wallonie. J'ai inscrit tous mes films dans la Wallonie. Elle inscrit aussi son film dans la Wallonie profonde. Une histoire tendre qui parle de solidarité. Je crois que le monde en a bien besoin. Moi, je donne 10 000. Qui en fait autant? Allez! Moi aussi, je donne 10 000. Enfin, moi, ça me touche parce que j'ai écrit mes films, notamment j'en ai écrit à Charleroi, mais dans la région. J'aime bien les gens qui parlent de leur pays, de cette Wallonie qu'on aime tous. Et puis ce que j'aime, c'est que c'est une histoire quand même d'entraide, de fraternité, et c'est drôle aussi. Charleroi n'est plus la région la plus riche et la plus prospère de Belgique, mais je pense que les gens de Charleroi ont encore du cœur et surtout une curiosité qui justement peut-être les motiver à participer à ce genre d'initiative. J'ai vu que petit à petit, ben, ce projet, ben, il voyait le jour, il s'est concrétisé grâce avant tout au soutien des citoyens et de toute une région. Qui, je pense, a aujourd'hui bien besoin qu'on mette un peu de couleur dans le noir ambiant, qui n'est d'ailleurs pas aussi noir que ça. Pays de Charleroi, c'est toi que je préfère, le plus beau coin de terre. À mes yeux, oui, c'est toi, c'est vrai. À mes yeux, oui, c'est toi. Ouh.